Notre réseau Fast Travel avance bien. Continuez comme ça. Nouvel inventaire disponible à la boutique du Coon. Putain, il y a des trucs stylés chez le Coon. Boutique du Coon terminée. Tu peux te dépêcher de faire tes trucs de super-héros, le nouveau? C'est pas un programme de mentorat. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, en vrai, on doit aller voir Moustique, hein. Y'a pas un raccourci parce que là, sinon, on va se taper tout le chemin. Ça va être pénible. Ah bah, cool. Ça marche bien. Quelqu'un a demandé un voyage express? Ouais. Il habite où, Moustique? Qu'il habite là, mais est-ce que j'ai pas de raccourci? Ah non, j'ai pas de raccourci. T'as trop la tête dans les nuages? Ah si, j'en ai un ici. On va prendre ça. C'est super! A plus! Du coup, maintenant, on doit aller par là et reculer. Est-ce qu'on peut passer quelque part? Attends, pourquoi il y avait ouvrir? Ah, attendez, hop, ça s'ouvre. Hein. Voilà le raccourci. En plus, il y a le chat là-bas, mais. Je sais pas comment on les capture, les chats. Chaque fois, ils s'enfuient. Là, techniquement, on est où? On est dans la main droite. Ok, non, on s'en fout. Ok, j'ai juste fait tourner ça. Okay. Pas rien faire. Attention, vous avez 5 secondes pour obéir. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un truc, t'allais mourir direct. Tu te rappelles les Wonder Twins? Je me rappelle, et leur singe de l'espace domestique Glick. Ouais, tu te souviens de ça? Voilà le raisin, le nom, le mouche doit être à l'intérieur. Entre, mais évite de succomber à leurs ailes de poulet et aux filles canons. Ça marche. Nous, on est un super-héros intègre. On va pas tomber dans ces retranchements les plus... Bonjour, bienvenue ça. Juste une personne? Allez, viens avec moi, mon cœur. Non, là, il va y avoir masse selfie à faire, je pense. Hein. Désolé, je ne suis que les super-héros télépathes. La serveuse m'a dit que j'étais le seul client de ne pas être un blaireau. Ouais, je fais des selfies uniquement avec les super-héros Karate Kid qui payent bien. La serveuse m'a dit que j'étais le seul client de ne pas être un blaireau. Est-ce que tu t'amuses bien, petit cœur? J'arrive tout de suite. Ouais, je fais des séries. Par ici, trésor. Hop. Par ici, trésor. Eh bon, j'arrive. La place est prise. Ah, désolé, je ne suis que les super-héros élémentalistes. Vas-y, sont relous. On se connaît, non?
Ouais, je ne fais de selfie qu'avec des super-héros assassins. C'est mon truc. Une de nos filles va venir s'occuper de toi. Ça marche. Il est vraiment mignon, non? Et il ne manque pas d'appétit. Ouais, je me suis envolé dans les airs et j'ai massacré tous les méchants. Ah, je ne savais pas que les moustiques étaient si costauds. T'as déjà entendu parler du virus Zika? Une autre portion d'aile de poulet, c'est ça? Ouais, mais ça sur ma note. Quelle générosité! Hé, hey, casse-toi, c'est mes meufs! T'es quel super-héros d'abord? Oh mon dieu, la mission! Mes copains super-héros, j'avais complètement oublié. Arrière, tentatrice! Le moustique sait ce que vous essayez de faire! Mais de quoi tu parles, petit? Ça doit aller, ignoble. Il faut que tu me sortes d'ici. D'accord, voilà l'addition, alors. Ah, sûrement pas. Vous avez essayé de m'ensorceler, je ne paierai pas. Tu dois laisser un pourboire, merde. Il va falloir qu'on se batte pour partir. Allons-y. Putain, ça va être chaud. C'est une grosse erreur de s'en prendre au coon et à sa bande. Quand ça veut. Dans la commande. Putain, il est ensorcelé. Bienvenue dans l'équipe, mais va falloir refaire ta garde-robe. Il faut qu'on ramène le moustique à la raison. Sérieusement, les mecs, les ailes sont vraiment bien. Trouvez-vous votre propre âme sœur. Il est en train de nous frapper, cet abruti. Les moustiques ont ensorcelé, tu peux en mode inspection pour savoir. Dis-moi avec les lois de la physique. Ok. Du coup, Y. C'était le mur du son ou une fracture de mâchoire? Merde, mais je suis con de fou. Mal, c'est de fou. Quand on vous aura cassé la gueule, ça vous dirait un calendrier? Oui, c'est parti. J'en ai plus rien à battre. Boom. Oh, chaos dans les gradins. Qui a commandé la raclée à l'ancienne servie froide? Ah, ça y est, je peux le jouer. Du coup, on va faire B. Ruzika! C'était vraiment dégueu, mec. On va régler ça vite fait. Mince! Ça va être trop tôt. Garde le rythme, mec. Ça a été épique. Allez, moins une déjà. Let's go. Je suis tellement contente que vous soyez là. À plat et suture. Mon ennemi est tombé. Moins deux. Alors les mecs, vous vous amusez bien? Ah non, je suis ensorcelé. Je connais un système immunitaire qui va prendre cher. Bravo, maintenant, excuse-moi, faut que je gerbe. C'est le moment de te casser, concentre-toi. Ouais, on va taper elle, du coup. Bravo, mais tu t'en fous, je crois. Ultime prêt. Non. Mais, oh le bâtard. Ça va, Super Craig? Ouais, on ne peut mieux. Alors, qu'est-ce que ce sera? Oh oh, pas pleurer. Super Craig, au rapport. En vrai, non. Vas-y. Gah. Il
T'imagines comment c'était cool vu avec mes yeux à facettes. Mec, tu te lâches. Putain, il pue la merde son ulti à lui. Oh là, t'es trop drôle. T'as même pas être bougé à la citronnelle pour te sauver. Ouais, ça sert à rien. Je voulais commander une citronnade, mais j'imagine qu'il est trop tard. Let's go! On les a défoncés, ces biatchs! Allez, voilà notre chance! Ces filles sont ma kryptonite. T'es arrivé juste à temps pour me sauver. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Trou de... héros. Et toi, c'est quoi, ta kryptonite? Tu peux pas être un super-héros sans avoir un truc contre lequel t'es impuissant. T'as une phobie en particulier? Un complexe? Je sais pas. Bah allez, y a forcément quelque chose. Non. Écoute, c'est bon, on est dans le même camp, truc. Tu peux me le dire. D'accord, d'accord, fais voir ta fiche de perso. Qu'est-ce qu'on va mettre? Fille du raisin. C'est une décision importante qui te suivra toute ta vie. Chaotique, jusqu'à ce que tu changes ta vie. Vieux, ninja, vampire, homme crabe. Vas-y, on va mettre les hommes crabes. Ils ont le goût de crabe et ils ressemblent à des gens. Ils veulent renverser l'humanité, franchement. En gros, là, je pense que super, tous tes choix auront une importance pour la suite, quoi. Bon, les moustiques doivent filer. Appelle-moi si t'as besoin de moi, copain, du coup. Tu peux utiliser l'appli allié pour éditer. Ok. C'est où le... Ah, c'est là, c'est écrit en gros. Du coup... Ouais, en vrai, le moustique, il est pas ouf, hein. On y va. Je préfère garder la même team que tout à l'heure. Tu t'en sors bien jusqu'ici, le nouveau. Regagne le repère du cône, je pense qu'on peut avancer sur ton perso. Cône, terminé. Ça marche. Non, bah c'est fermé, et en plus, il y a les sixièmes. Ils vont me casser la gueule. Nick. Ta. Mère. Ah, le nouveau, assieds-toi. Bien, alors, comment ça se passe sur le terrain? Ça va, ça va. Pas trop compliqué. Bien parlé. Bon, alors écoute, je pense que tu as du potentiel. Eh ben, je vais te nommer acolyte ou un truc du genre. Félicitations. Merci. Je voulais juste te parler un peu de ton perso super-héroïque. Comment dire, ton perso est pourri, pour être franc. Et je crois que je vais te laisser choisir une seconde classe. Voyons quelle aptitude te conviendrait. Alors, quel type de compétences aimerais-tu ajouter à ton arsenal? Ça peut être pas mal. Cyborg, élémentaliste. Il y a beaucoup qui veulent faire des photos qu'avec des élémentalistes. Non, non, c'était télépathe. Les télépathes. Les infos, pub nocturne, armée, esprit télépathe, le confort, le ok. Cyborg. Alors moi, je suis feu. Élémentaliste. C'est un grand moment pour toi, tu dois être super excité. Élémentaliste, ça a l'air pas mal, mais vu que je suis déjà... J'ai déjà une bonne classe, je me mettrai bien. Télépathe, ça peut être pas mal. Cyborg. Élémentaliste. Exploseur plus élémentaliste, ça veut dire que je gère un peu. Un super héros doit savoir prendre des décisions. Vas-y, je prends élémentaliste. Ah, élémentaliste. Donc, s'il pleut, c'est ta faute. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit fatidique de ta petite enfance. D'accord. Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Là, dans le couloir, tu vois deux mecs s'en prendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein?
Tu sais que tu peux les arrêter, et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. Il est temps de piéger ces imbéciles, et tu commences par les coincer dans une prison de glace. Bloqué par le froid, l'affreux vilain est obligé de passer son tour. Hey, tu peux pas piquer le tour d'un mec comme ça. Ouais, tu te prends pour qui, hein? Les intrus approchent, mais ils ignorent qu'ils se sont idéalement placés pour un piège de sable. C'est grave stylé. Tu crois que ce gamin a une sorte de pouvoir sur la glace et la terre? Impossible. Tu en profites pour te soigner et concentrer tes pouvoirs. Je crois que je vais me mettre là. Oh mec, je vais enfin pouvoir lyncher ce foutu mioche. Concentré, tu n'as aucun mal à esquiver, et tu prépares ton attaque ultime. Invoquant les pouvoirs de la glace, de l'eau, de la foudre et de la terre, tu balances aux intrus une attaque élémentale. Et voilà. Pouah, claque de fou l'attaque. Oh. Yes. Ah, j'ai choqué. Ouais, on s'en fout, d'accord? Et tu leur fais mordre la poussière. Tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri, et c'est là que l'impensable se produit. Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter, ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi. Pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Le coup des sabandes, alerte! Le coup des sabandes, alerte! Sérieux les gars, y'a une alerte là! C'est une alerte du coup des sabandes! Ici le coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les bottes de la liberté! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rendez-vous dans la rue principale, vite! On arrive! Coon! Terminé! Eh bien le nouveau, je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs! Suis-moi!